Aujourd'hui, grande finale. L'Europe l'a emportée hier face à l'Amérique du Nord. Et pour faire ce dernier pré-show, j'aurai avec moi Gardou Ménois. Comment allez-vous? Ça va super. J'ai hâte de voir justement les NA étrier l'Europe. Non, tu peux pas commencer comme ça. C'est pas possible. Noa, toi qui n'as pas réellement pu suivre exactement tout ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que tu penses du résultat de l'Europe? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on sorte semi-vainqueur aujourd'hui? Je sais même plus où je vais me positionner parce que pour les pour la nécessité du trailer, on m'a obligé à appartenir à l'équipe NA, alors que on sait tous qu'au fond de mon cœur, je suis profondément européen. Bien sûr. Non, je trouve que c'est sans surprise. Quoique, j'attendais pas G2 à ce niveau-là. Alors, j'attendais pas G2 à ce niveau-là non plus. J'attendais non plus pas Splice à ce niveau-là. On va revenir sur les games d'hier. En attendant, format de cette finale, puisque ce sera un relais. Comme on l'a dit, l'Europe a pris l'ascendant sur l'Amérique du Nord. Ils auront donc le choix de counterpick pour les trois premières matchs. Alors, pour les trois premières maps, ça sera G2 contre EcoFox, du coup, pour le premier match. On reviendra un petit peu là-dessus plus tard pour voir quelles autres équipes européennes choisiront les NA pour la suite du BO. Mais en tout cas, on a un avantage assez conséquent pour entamer cette finale ici. Ouais, bel avantage. Et pour le coup, EcoFox n'ont pas montré un beau visage du tout durant ce Rift Rivals. Et même hier soir, hein, l'EcoFox, quand on a vu une strat où Uni était sur Milan et Crumble, ça n'a pas marché. Rien d'incroyable. Les games d'hier soir, en fait, pour la globalité, les Liquid ont fait une bonne game. Vraiment, c'était OK. Mais c'est la seule équipe NA qui a un niveau correct, je dirais, sur ces Rift Rivals. Cette game était vraiment, vraiment bien de la part des Liquid. Alors, on avait de la mobilité côté Fnatic. On a le Kassadin qui était une petite ressortie, finalement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le champion couper avec Talia, mais de l'autre côté, beaucoup trop de dégâts côté Liquid. C'est le patch qui a permis de le faire ressortir parce qu'il gagne énormément. Après, bon, je peux pas m'empêcher que c'est un match qu'aurait dû gagner Fnatic. Aurait dû, oui et non. Ils ont pas assez respecté Double Lift et Impact. Vraiment, Impact a fait une game juste incroyable et Double Lift, c'est pareil. Il y a eu des disrespects de tous les côtés en fait, dès le début de la partie côté Fnatic. Ouais, mais après, sur les prochaines games des Liquid, ils rendent bien l'appareil. Ils sont très courtois, je trouve. Un peu trop, peut-être, malheureusement. Mais les Fnatic ont fait une compo full AP en plus. Et du coup, côté Liquid, et ça a fait full Malmortus, etc. Et ils ont pu comme ça gérer la plupart des fights, mais mécaniquement même, c'était extrêmement propre. Et une performance de Double Lift qui était assez exemplaire avec Sakaïssa ici. On a enchaîné avec G2 contre EcoFox, et alors ici le drame pour EcoFox, parce qu'on a Phoenix sur Renekton. Renekton, c'est quand même censé être un de ses mains. On l'a connu comme étant un très bon joueur de Renekton à la base. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué le champion, il le ressort ici. On a Uni sur son Rumble. Enfin, logiquement, la compo a du sens, je trouve, mais G2 ont été bien, bien, bien meilleurs. Et encore une fois, Winder, Aatrox, ça fait le café. Bah, le truc, c'est que les EcoFox, ils ont une draft où ils se sont dit on va cancel le funnel adverse.
À la base, moi, Lord of, j'interprète comme ça, c'est il y a un funnel en face, du coup le top laner adverse aura pas d'aide. On prend un Renek top pour détruire le Aatrox, on met un Rumble mid parce que Ouni est ouf dessus, on a un Panthéon qui est super fort en early, on peut faire snowball top et mid. Sauf que Dardoch, il est venu que mid, il est jamais allé top. Phoenix s'est fait éclater en 1v1, il était pas bon du tout sur son Renek et Wunder a été juste incroyable. Et du coup, quand t'as une strat comme ça où t'es censé snowball l'early game et où t'y arrives pas du tout parce que bah, je sais pas, Dardoch est pas allé au bon endroit à mon avis, forcément tu te fais détruire. Ouais, parce que ce Renek était méga flairant, hein, parce qu'un Renek qui perd son match-up, c'est un Renek qui est inutile, il a pris un pari qu'il a perdu en fait. Manque de range un petit peu peut-être face à ce Aatrox en early. Il y a le manque de range, mais t'as le slice and dice en théorie qui te permet de rester safe. Enfin, il a dû partir sur un stuff très défensif. Il prenait beaucoup de dégâts à des moments où il n'y avait pas de raison. Et pour moi, Dardoch a aussi une grosse part de responsabilité parce que tu peux pas te dire je prends un Panthéon, il y a un funnel en face, donc il n'y a pas de jungler qui peut aider le Aatrox en face. J'ai un Panthéon, je peux encaisser des coups de tour, Renekton pareil et ne jamais aller gank top. Troisième partie de la soirée, c'était donc Fnatic contre les Thieves. Et alors ici, pour l'instant, on a vu que l'early game était assez serré. C'est vite tombé dans les mains de Fnatic cette partie et les Thieves n'ont jamais pu remonter. Voilà, petit jump dans le temps, on passe de 3-3 à 13. S4 et Fnatic dans la base, mais la partie s'est passée super vite. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Thieves ici? Complètement one-sided et typiquement Levy a pas réussi à trouver les bonnes opportunités pour carry. Ouais. C'est le seul joueur qui est vraiment ultra solide en ce moment du côté des Thieves. Il est accompagné avec sa Camille en plus de ça du Galio. Enfin, il y avait beaucoup de CC dans la compo des Thieves et l'idée de la MF à la base Conqueror peut être sympa, mais Codison n'a pas réussi non plus à se placer correctement, il s'est fait détruire. Alors, ouais. Ça a mal joué, mais mécaniquement du côté des Thieves. Bah, tu sais quoi, moi j'aurais dit le contraire, j'ai pas réellement compris l'utilité de ce pick MF ici. On sait qu'il revient avec le patch, ça fait partie des carry AD qui reviennent un peu, mais face à une composition comme ça, quel est l'intérêt? Bah, l'idée c'est qu'avec le Horn, le Galio et la Camille, tu setup en fight et du coup tu as tous les ennemis qui sont paqués, qui sont CC et tu peux mettre un déluge de plomb assez facilement en théorie. Mais pour ça, il faut être bien placé, il faut que toute ta team soit synchronisée. Le problème, c'est qu'il y a zéro synchronisation côté Thieves V2. Caps, encore une fois, qui fait des dégâts colossaux. Et Illisang qui a fini la partie tout simplement à la base. On a enchaîné avec Team Liquid contre G2. On prouve encore une fois la supériorité des G2 ici. Et Team Liquid, heureusement qu'ils ont eu une bonne entrée parce que ça n'a pas duré sur cette partie. Ça n'a pas duré, mais Team Liquid, alors, ils se sont tous fait bait au moins une fois dans la game. Mais le pire, c'est le bait de Double Lift au début où ils voient Yarnan qui back, Wadid qui back. Et c'est un Alistar et un Emerdinger. Et Double Lift, il s'approche innocemment, il se prend un full combo, il se fait détruire. Avec et tu le dis, genre, pourquoi pire chase de la on Terre. Pas, hein. On n'a pas revu l'action malheureusement, mais je vois l'action à laquelle tu parles. Et alors, autant tu blames Double Lift pour son placement peut-être un petit peu naïf face au back de Heimerdinger, moi j'ai surtout envie de critiquer Olé à ce niveau-là qui était en avant, qui aurait pu justement essayer de se mettre en position pour protéger son carré. Mais enfin, une action parmi tant d'autres finalement. Et Yarnan, Yarnan qui n'a pas à rougir avec son Heimer pour continuer avec le pic. Qu'est-ce que t'as dit? Trop de bacon. Qu'est-ce que tu marmonnes depuis tout à l'heure? Trop de bacon. Ouais, bah trop de bacon. On voit que. Alors, ils continuent d'en parler en plus, les joueurs de la nourriture nord-américaine. Je comprends, il y a un smoothie bar, ça fait baisser la performance. Ça n'a pas fait la différence. Et Perk sur Yasuo aussi, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de le voir sur ce champion. Je crois que c'était une des premières où on le voyait ce split. Ouais, il l'a pas du tout joué pour l'instant au summer. C'était la première fois, mais ça lui réussit bien. Je suis pas surpris, hein. Il est excellent dessus. Et là, les Thieves, alors cette game-ci, j'ai été agréablement surpris. Alors, les Splice ont pas bien joué, qu'on soit d'accord. Mais du côté des Thieves, ça semblait très propre. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils arrivent à jouer ensemble. On avait l'impression que pour la première game de ce Rift Rivals, ils ont appris à communiquer. Moi, je sais pas, hein, Splice, ce qui me dérange vraiment, laissant les compositions à part, c'est qu'il y a un gros problème pour savoir quand engager les teamfights et même de communication au sein. Il y a un problème de choke. On peut résumer ça comme ça, oui, globalement. Il y a un problème de choke on stage des joueurs dans la mécanique, dans la communication. Il y a un travail peut-être à faire sur le mental, sur la scène, mais c'est pas la première fois. Après, c'est quelques-uns de ces joueurs. Moi, je pense à Xerce aussi. Xerce, quand il était arrivé sur le devant de la scène, il avait été exceptionnel. Et la première fois, on les avait vus vraiment, mais complètement de choc. C'était aux IEM Katowice, à l'époque de UL, où après, ils avaient fait une deuxième moitié de saison absolument infâme. Et ils avaient fait un spring split explosif. IEM Katowice, énorme échec. Et après, ils avaient mis 4 mois à se remettre dedans. Et j'ai l'impression qu'on est dans une situation similaire du côté de Splice, c'est-à-dire un bon spring split, et derrière, plus rien ne veut marcher, les joueurs se désagrègent sur scène, c'est assez inquiétant. On viendra un petit peu plus tard sur la situation de Splice dans la deuxième partie du pré-show. Avant ça, on a préparé encore des réactions suite à cette deuxième journée. Alors on ne les a pas organisées comme hier, mais plutôt des réactions globales suite à ce Rift Rivals. C'est qu'en ont pensé les équipes. On commence avec un tweet de Yankos qui... Alors,
Ça y est, il s'est enfin fait à l'idée de la méta. Donc, best top laner, best mid laner, best bot lane and the best Braum player. This is G2 for you. Finalement, il s'est fait à la méta. C'est vrai qu'on l'a vu jouer, Braum hier. Deuxième champion qu'il a joué, je crois que c'était un Trundle. Un petit peu plus dans ses cordes. Bon, finalement, le funneling avec G2, j'ai l'impression que c'est la solution qui marche le plus. Ils ont Perks. C'est sans déconner, Perks, c'est juste incroyable. Et puis, son Braum, il est pas mauvais. Quand il le disait après l'interview, bon, en rigolant, certes, il fait non, mais maintenant j'aime bien Braum, etc. Enfin, toujours aussi sympa en interview de toute façon. Mais toute l'équipe est vraiment bonne. Et Yarnan, qui était même sous-performant, entre guillemets, sur son aimer, ça reste un pic incroyable. De toute façon, la top lane est juste inarrêtable. Moi, ce que j'aime bien, ce qui est mis en avant aussi, hein, quand on entend un peu les joueurs de G2 parler à travers leurs différentes interventions, c'est que tu sens vraiment un peu plus proche de l'esprit coréen, c'est-à-dire c'est l'équipe en fait avant tout. C'est pas genre s'il faut jouer un pick, il faut le jouer là de telle façon et qu'il faut que Yanko se ferme sa gueule et joue 25 Braum de suite, il le fera. Là on a beaucoup d'échos d'autres joueurs, d'anciens joueurs qui refusent de s'adapter à la méta. Enfin par exemple on pense à forcément le nom en Europe qui monte à la tête, c'est oui. Reckless du côté de l'Amérique du Nord. Et bien pour les 100 Thieves par exemple, Meteos aussi le nom vient en tête, pour les Cloud9 aussi avec Smoothie, Sneaky et Jensen. Donc ouais, t'as l'impression que les G2 ils mettent un peu l'orgueil de côté et ils travaillent tous en groupe et ils font ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Je pense que justement on peut imputer la même chose à Fnatic dans le sens où justement ils ont réussi à mettre Reckless de côté. En termes d'ego, je pense que c'est pas super facile à gérer non plus, et la solution marche avec Soaz et Bouipo. Alors ici, voilà, le sel de Reddit, Khan versus Untara, LCK Summer Finale 2017 flashback, en parlant du match-up G2 contre EcoFox. Il s'est réellement fait ruiner ici. Ouais, c'était compliqué, mais le match-up G2 EcoFox hier, pour une fois que Uni aurait pu être top, jouer un Renekton agressif, parce qu'habituellement quand il joue aggro, Uni typiquement, il oublie qu'il y a un jungler adverse et il force comme un bourrin tout seul. Là, il y avait un funnel en face, il aurait pu le faire. Genre vraiment, c'est la première fois qu'il aurait pu se dire, je peux jouer le bourrin, je peux jouer mes mécaniques, je peux montrer à Wunder que je suis meilleur, et il va mid. Ouais. En tout cas, ça a redonné confiance à G2. Alors, on avait un Perks discret jusque-là, qui s'était un petit peu calmé suite à ses déboires à l'international. Puis là, c'est bon, G2 reperf à nouveau. Et voilà, c'est la quote parle d'elle-même. Moi, je l'adore. Après, le disrespect le plus total jusqu'au moment où il va se faire laver à nouveau à l'inter. J'aime beaucoup. Et Double Lift, évidemment, oui, qui n'a pas trop aimé ce qui s'est passé contre G2, et surtout perdre contre un Heimerdinger botlane. C'est vrai que ça a été violent pour lui. Ça a été violent. Game où il avait Kai'Sa, c'est ça. Il avait sa Kai'Sa, c'est ça. C'est la fameuse game où ils sont un peu fait bait. Pareil, Impact qui est mort plusieurs fois tout seul. Enfin, ça a été un global où les Liquid, en fait, depuis le début de Rift Rivals, t'avais l'impression qu'ils étaient vraiment focus. Et finalement, arrive le moment où le choc est là. Une petite discussion entre Double Lift et Bouipo. Alors, justement, sur le fait que Double Lift aurait dû jouer un mage hier, Bouipo, qui suite à la défaite contre Team Liquid, dit pareil. Et là, ici, petit taunt, si l'Europe a des balls, vous n'enverrez pas Splice contre nous demain. Moi, je pense qu'au contraire, si l'Europe a des balls, ils cherchent la triple win. Et donc, ils envoient... Alors, on sait que c'est G2 EcoFox. Je pense que Fnatic a largement les armes pour battre Double Lift. Mais du coup, ouais, j'aurais envoyé G2 contre Team Liquid, Fnatic contre EcoFox. Et j'aurais prié pour que Splice prenne les dressifs qui ne sont pas fous non plus. Et Splice, de toute façon, c'est la débandade. Bon, j'ai rassemblé des tweets des joueurs, mais globalement, c'est pas glorieux, que ce soit O2 amené ou même Cassing, vous verrez un petit peu après. On en parlera encore une fois plus tard de l'équipe au global, mais repartir sur un 3-0 et entamer cette finale comme ça en étant entre guillemets le boulet de l'Europe, parce que on les a taxés de ce surnom en tout cas, ça doit être un peu dur de venir pour ce place aujourd'hui. C'est compliqué, surtout qu'ils ressortaient d'un 2-0 finalement en LCSEU, ouais. Et du coup ils avaient repris peut-être un peu de motivation. Là, c'est la destruction à l'international en plus. C'est problème des events inter comme le Rift Rivals, comme le MSI, etc. Ou des All-Stars, c'est Soaz il y a très longtemps qui disait, quand il était encore chez Origen, je n'ai pas envie d'aller à ces événements parce qu'en fait si tu gagnes, les gens s'en foutent. En plus, tu te crèves à la tâche parce que t'as pas de pause dans ta saison pendant que tous les autres à la maison ils s'entraînent et ils t'attendent de pied ferme et regardent tes stratégies. Et en plus, si tu perds, tu te fais chier dessus. Donc moi, j'aimerais dire, on est dans un truc quand même, le format Rift Rivals EUNA est plus sympa, oui. Et plus un peu plus bon enfant. Tant pis, il faut prendre ça comme un entraînement, mais il faut pas se formaliser là-dessus parce que sinon, ça reste une
de nos bonnes équipes si on considère le Spring Split. Et je pense qu'il ne faut, faut pas trop leur chier dessus. Et ça reste une expérience à l'Inter. Ils n'en ont jamais eu avec ce 5-là, au final. Donc c'est la première fois qu'on les envoie contre ces équipes-là. À voir comment ils s'en sortent aujourd'hui. Je vous demanderai vos prédictions quant à l'adversaire que rencontrera Splice ce soir. Et alors ici, voilà. Il manque Hielo. Bah, il manque Hielo. Il a réagi d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais, il a réagi. En dessous de la photo, il a réagi. Je pense que si la régie arrive à scroller un petit peu, il dit. C'est des assets préparés. Ça fait plaisir à voir. On ne peut pas. Ah, mais du coup, voilà, vous pourrez trouver la réponse sur Twitter. Bah voilà, Reckless a du temps. Reckless a joué une à URF de tout ce Rift Rivals. Donc voilà, il en a profité pour revoir ses anciens mates. C'est assez cool ici. Broxa, toujours égal à lui-même. Le tryhard, visiblement, c'est le mot d'ordre pour les Rift Rivals pour l'Europe cette année. C'était pas spécialement le cas l'an dernier. On l'a dit encore une fois, c'était la première édition du tournoi. Ici, ils veulent vraiment se dépasser. On le voit à travers cette côte de Broxa. Et c'est une bonne chose parce qu'en Asie, en l'occurrence, c'est du full tryhard partout. Vraiment, ils apprennent des autres. Typiquement, j'ai trouvé ça pas mal aussi que RNG et Kingzone se prennent une fessée de la part des Flash Wolves. On retrouve des SKT qui ont été bien meilleurs, qui ont battu les Flash Wolves ce matin. Et du coup, en fait, il y a vraiment une espèce d'émulsion, de motivation, je trouve, et de piquer un peu les stratégies, voir comment les autres régions les counter aussi. Disons que la différence, c'est qu'en Asie, ils se battent pour savoir qui est la meilleure région du monde. Nous, en Occident, on sait que le combat, il est en Asie. Donc après, c'est un peu, on se bat avec notre caca dans le bac à sable. Il y a moins d'enjeux, quoi. Alors, dernière côte, et ici, c'est Uni qui s'est exprimé lors d'un un dîner un petit peu à part avec Febiven, pour dire tout simplement que alors, les NA auraient une chance de gagner les Worlds si le ping en solo queue était à 7. Messieurs, je vais vous demander pourquoi. Pourquoi Uni déclare ça? On a le petit taunt de Soaz derrière en disant qu'évidemment, oui, c'est comme si c'était le seul problème que les NA avaient, donc on en rajoute ici un petit peu, mais voilà, une petite plainte de ce côté-là, un petit pic de la part de Uni. Ça changerait absolument rien. Après, c'est toujours la même chose que disent tous les joueurs quand ils vont dans les différents brackets, c'est qu'effectivement, le territoire nord-américain est assez grand, donc les points de réseau pour les serveurs sont assez éloignés, donc il y a un ping de merde, la solo queue au niveau de merde, et ça aide pas, il n'y a pas de nouveaux talents qui pop aux États-Unis, en Amérique du Nord, alors que tout de même la population est assez gigantesque et c'est même le berceau de League of Legends. En Europe, on est entre les deux et en Corée, c'est l'inverse. Ils ont zéro de ping quand ils jouent. Et en termes de niveau, on peut voir tout de même. Alors, est-ce que c'est le seul facteur? Mais il y a tout de même une corrélation entre. Tu penses que ça joue, honnêtement? Ah ouais, je pense qu'effectivement, avoir une solo queue pourrie, ça fait baisser le niveau global de tous les joueurs. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi la mentalité, il y a aussi les infrastructures, parce que comme tout le monde le voit, eh bien, tous les joueurs qui arrivent aux États-Unis, ils disent « Ah bah c'est chill en fait, ouais, Mickey vient à peine d'arriver, il fait, ouais, c'est tranquille en fait. » Et tout le monde dit bah, « Au début tu t'entraînes, puis tu t'aperçois que les autres ils chillent, ils font la fête, ils vont courir les filles, et du coup bah, t'arrêtes de t'entraîner, tu deviens nul. » Et tous les Coréens qui arrivent aux États-Unis disent la même chose. Mais même quand ils vont en Chine, ils disent ça. Ouais, il y a un petit saying de la part des joueurs justement sur l'expérience qu'a eu Yellowstar au sein de TSM et l'avant et après Yellowstar, et appelle ça comme étant le Yellowstar effect, du fait de venir à l'étranger et de revenir en étant nul. Donc c'est marrant de voir que c'est un truc qui reste même au sein des joueurs. En tout cas, on peut passer à la suite. Alors ici, messieurs, mesdames sur le chat, je vais vous mettre à contribution, on va poser une question. J'aimerais aussi que vous réagissiez, on a envie de connaître votre avis. Sur l'analyse desk américain, ils en ont parlé hier et j'ai envie qu'on parle de ça en Europe. Reckless peut-il encore trouver sa place au sein de Fnatic, puisque ça fait vraiment un bout de temps, on va dire 3 semaines. Il a fait une semaine en LCS et là, depuis Rift Rivals, il n'a pas fait une game à part un AURF. La version de Fnatic ici s'en met vraiment supérieure. À quel moment on pourra avoir Reckless? Est-ce qu'il pourra se plier à la méta ou est-ce qu'il faudra attendre un shift? À mon avis, quand il aura fait une grosse remise en question sur son playstyle, parce que Reckless, au début où il était arrivé en carriadé en LCS Europe, il était impressionnant mécaniquement, il y avait beaucoup de teamfight early dans les games. Et ce qui est impressionnant chez lui, c'est que c'était un des rares carriadés qui, en début de fight, au lieu d'utiliser l'escape de son perso, utilisait le flash en premier, parce que t'as pas le temps d'animation, etc. Et du coup, c'est un monstre mécanique et dans les teamfights, il brillait énormément. Et avec le temps, petit à petit, Reckless est devenu un carriadé qui passait beaucoup de temps à farm et qui est devenu efficace de plus en plus tard dans la game. Très efficace, certes, mais ça prenait beaucoup de temps. Or là, on est dans une méta qui demande d'être efficace très tôt et les tireurs fonctionnent. On a énormément de carriadés qui jouent des tireurs, même juste double lift pour l'exemple ici, ça se fait largement, rouleur en Corée et plein d'autres, même Bang. Du coup, Reckless, je pense qu'il peut revenir s'il arrive à se dire ok, en fait, il faut juste que je sois au taquet mécaniquement, mais dès le début, que j'ose être agressif et que je reprenne un peu de panache. Tu parles de prouesse mécanique, mais c'est aussi ce qu'on peut trouver chez les grands midlaners. Est-ce que Reckless peut pas s'élever à ce niveau-là et trouver l'agressivité qu'il avait avec des tireurs, mais avec des champions peut-être un peu plus AP?
C'est bon, je pense qu'il y a, il y a plusieurs facteurs après du côté de Reckless. Alors déjà, on peut jouer, on peut vraiment jouer tous les carrés. On le voit en Asie, ça joue quasiment que des compos standards. Surtout depuis le 8.13, ça d'autant plus souvent. Après Reckless, moi je pensais qu'il y avait eu un changement au niveau du comportement, notamment sur le Spring Split, où ils avaient réussi à redistribuer sur Bwipo et sur Caps les ressources de l'équipe, notamment après le MSI, et que du coup Reckless est habitué à ne pas accaparer toutes les ressources, parce que c'est vrai ce que tu dis. T'envoies Reckless sur une side lane avec une Sivir qui sort avec 400 CS ou avec les fameuses itemisations split push, maillet gelé, BRK qu'il faisait avant dans tous les sens. Et je me disais, ok, c'est bon, il a réussi à passer ce step et ça va devenir un très grand joueur parce que capable de s'adapter à la méta comme Faker a pu le faire par exemple. Faker, il y a des moments où il a joué des Taric, des Bro, des Lulu pendant 6 mois. Et là, en fait, comme certains vieux joueurs, on a l'impression qu'il a pas voulu s'adapter à la méta, il a pas voulu faire l'effort pour l'équipe. Alors peut-être que le joueur est fatigué, peut-être que le joueur est brûlé, et dans ce cas-là, il faut qu'il se repose et qu'il revienne. Il était un peu burn après le MSI. Ça, je peux comprendre. Donc je pense qu'effectivement, peut-être que dans un mois, deux mois, trois mois, six mois, peut-être qu'il a envie de passer toute la moitié de saison à se toucher et revenir en 2019. Mais oui, il reviendra après, et s'il attend désespérément... Il a signé 3 ans avec Fnatic, voilà. Donc t'inquiète qu'il va revenir, il a pas le choix. S'il attend désespérément que la méta... Shift, bah déjà je pense que ce sera pas bon déjà en termes d'image, en termes d'accomplissement personnel, et puis peut-être qu'au bout d'un moment l'équipe voudra le faire jouer avant, enfin tout simplement, et qu'il faudra qu'il se plie un petit peu au contrat et au coach. Puisque d'un autre côté, on a quand même mis un rookie qui est certes fiable, hein, on a pu prouver la valeur de Bwipo dans la faille, mais quand même, on a Reckless qui est un des meilleurs joueurs de sa génération, qui est sub-out au profit de Bwipo. Est-ce que Fnatic peut tenir comme ça? Donc, avec la question inverse, avec Bwipo justement, est-ce qu'il a les épaules pour tenir? Largement. En fait, Bwipo, c'est une agréable surprise, mais j'avais déjà entendu parler de lui avant qu'il soit en LCS. Mephisto en avait un peu parlé, il avait déjà coaché, il avait dit qu'il était très bon. Et il est arrivé chez Fnatic, ça marche super bien. Le gars a l'air à l'aise en plus, c'est-à-dire qu'il a l'air de très bien gérer la pression d'être entre guillemets à la place de Reckless. L'équipe tourne bien, mécaniquement il est au taquet, enfin, ça suit bien dans l'équipe. Donc je pense que vraiment avec Bwipo, on peut faire des choses. Aller jusqu'à gagner le split devant les G2, qui sont pour ils moi peut-être au-dessus. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Attends, ils l'ont fait une fois. Et Bwipo avait une seule semaine d'expérience au LCS. Donc je trouve que l'achievement est beaucoup plus gros d'avoir gagné au Spring plutôt que s'ils arrivent à gagner au Spring. Mais ça a aussi surpris les G2 qui n'étaient pas habitués à jouer face à Bwipo. C'est sûr. Et les G2 ne jouent pas de la même manière. Bah, c'est ça. Surtout que les G2, maintenant, ils ont plus besoin d'avoir une duo lane. Mais oui, enfin, heureusement pour eux, j'ai envie de dire. Yarnan et Wadid, c'est pas Mithy et Sven. Laisser Yarnan sur des karmas et on est très bien. Non, mais enfin, G2 ont jamais eu autant de chance dans la méta, et peut-être qu'effectivement Fnatic est aussi la team la plus touchée. Après, bien, une grosse équipe, c'est une équipe qui arrive à s'adapter. Donc pour l'instant, pour moi, G2 montre que c'est une meilleure équipe que Fnatic. De l'autre côté, on a une équipe pour laquelle ça ne va pas bien, qui s'est retrouvée 3e du split et qui a donc été envoyée ici. Il s'agit de Splice. Alors Splice qui avait fini vraiment le split en fanfare malgré de gros soucis sur la duo lane. Ici, ça s'est complètement effondré. Alors, en un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé pour Splice? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas même depuis le début des LCS? Ça te choque? Ils sont dans une phase dans une loupe de choke. C'est-à-dire que ça a commencé... Parce que les premières games de Splice, la première semaine, la première est pas si mal. La deuxième, je me crois que c'est le... La première, c'est quand même la semaine où ils essayent de tenter une décale un petit peu chelou. Il y a Kamikan, il y a le Camille. En fait, le moment où pour moi ils ont hard tilt, c'est quand il y a eu le Camille Kane. Ah oui. Et Camille Kane, ouais. Où tu le vois et il tente une agression dans la jungle et il loupe pas dessus. Tout. Et tu regardes la Camille et tous les hooks, tous les flash hooks, ils sont tous ratés. Et en fait, mécaniquement, c'est un enchaînement de fails absolument infâme. Et tu regardes, toutes les actions sont loupées et tu regardes à peu près comment ça s'articule. Et ouais, ça respire le choke. De manière générale, la botlane de Splice a toujours été un petit peu à part et c'était un petit peu la cinquième roue du carrosse qui devait traîner. On pouvait mettre Kobe sur une Caitlyn et attendre le late game, ça marchait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qui ici peut step up pour essayer de sauver Splice? Parce que je trouve que Xerce est absent. Globalement, depuis ce qu'on avait vu au Spring. Niski reste Niski, il peut 1v9, mais tu peux pas 1v9 toute ta vie. Et Odo Amné, pareil, en fonction des match-up, je le trouve moins sûr. Il joue moins en avant, moins agressivement qu'avant. Beaucoup moins qu'avant, peut-être un manque de confiance, justement. Peut-être aussi. Lié avec Xerce aussi, le fait c'est... que. Ben, c'est... Odo Amné est revenu à son statut début Spring Split, où il n'était pas en confiance, Splice ne lui donnait pas de ressources. Il y a eu un changement vers le milieu de saison. Effectivement, ils avaient remis Odo Amné un peu plus dans le rôle de carry. Sauf qu'en fait, ils ont
Allez, peut-être à part Niski, aucun joueur mentalement stable. Ils sont tous archi-nazes. Vous pensez que ça va continuer comme ça pour la suite de LCS ? Bah, c'est un état d'esprit. Pour moi, parce c'est un là, état d'esprit. On sort d'une semaine quand même ultra difficile où tu t'es fait laver trois fois à l'Inter. On n'a pas encore vu la finale, mais... Bah, pour moi, Splice, c'est un peu l'élève à l'école où, tu vois, à un moment, il n'est pas bon. Il va juste tout apprendre par cœur et ça lui donner des bonnes notes. Mmh. Sauf qu'une fois qu'il arrive l'année scolaire suivante, où là, le par cœur ne suffit plus, où il faut apprendre, je dirais, à réfléchir par soi-même et à devenir un petit peu plus talentueux, vraiment purement et simplement talentueux. Donc là, c'est des mécaniques en soi. Bah, ça ne marche plus, il choque et il n'a plus confiance en lui du tout parce que tout ce qu'il a appris n'est plus efficace. Juste son par cœur ne marche pas et il doit juste avoir... Ouais, c'est un choc mental à faire pour c'est du tryhard mécanique, du tryhard de solo queue, je pense, histoire de se dire, mais en fait, toutes les solo lanes, toutes les lanes, peu importe contre qui je joue, je peux les gérer, parce qu'à chaque fois, leurs lanes se font écraser. Dans les teamfights, il y a des fails qui sont incroyables. Et la plupart des strats actuelles, apparemment, viennent de solo queue, donc ouais, pourquoi pas faire un travail de ce côté-là. En attendant, avant de rendre, puisqu'on manque de temps, on sait que G2 affrontera EcoFox dans le premier match. Selon vous, quel serait le moins pire adversaire pour Splice ? C'est pas du tout français, mais vous avez compris la question. Android 6, c'est les moins bons. Malgré ce qui s'est passé hier. Bah ouais, malgré ce qui s'est passé hier. On peut pas les envoyer contre Liquid de toute façon. Ah non, c'est pas, non, je pense contre ils ont vraiment pas les uns contre les autres. Mais après, je trouve que pour Red Team, tout tourne mal, tout tourne autour de Levi. Quand Levi arrive pas, c'est un échec cuisant. Brandini est pas au niveau. Enfin, les joueurs sont, c'est une line-up quasiment qui nouvelle finalement. Oui. Donc il y a pas d'expérience. Tu sens que la coordination dans les fights, elle est pas présente non plus. Donc je pense que c'est une équipe qui est prenable. Après, s'ils veulent jouer la sécurité, de jouer le 2-1, ils mettent Liquid contre Splice effectivement, comme l'a dit Double Leaf. Comme ça, notre moins bonne équipe perd contre la meilleure équipe, ouais. Et après il reste deux nazes qui se font clapper par G2 et Fnatic. On verra s'ils ont les balls justement de tenter cette stratégie. En attendant, on va se quitter pour quelques minutes de pause et on se retrouve juste après pour le début de cette grande finale G2 contre Fox. À tout de suite.